c'est Amadou Sanogo, artiste peintre. En fait, l'idée de l'atelier, c'est de réunir en tant que créateur pour mettre nos connaissances au service du public. L'idée, en fait, ce qui nous a un peu motivés est que cette fois-ci, il n'y a pas l'apport de qui que ce soit, c'est les artistes même qui ont financé leur propre création. Et c'est avec le peu de moyens qu'ils ont exposé leur création en invitant les gens de venir voir. En fait, ça, c'est l'amitié entre l'homme et l'animal. En fait, j'ai essayé de parler de cette thématique parce que souvent, on trouve que on dit que les animaux sont sympas, protéger les animaux, mais je me suis mis un peu dans un autre contexte. Est-ce qu'il ne peut pas avoir notre amitié entre l'homme et l'animal? Là, je me suis servi au moins du bon compagnon de l'homme, comme le cheval, pour travailler de cette thématique. Le point, c'est les questionnements qui sont autour de l'amitié entre homme et cheval. Ça, c'est les dévoreurs d'hommes. Ça veut dire souvent, si l'homme s'énerve, il est bouffé par son orgueil. Et s'il est dominé par son orgueil, il y a quoi encore? C'est une question que je me dis, qu'est-ce qui va dominer encore son orgueil? Je pense que c'est la bonne volonté et le bon esprit. Juste ça. Je m'appelle Lumugé Camara, artiste peintre graphiste. Le travail que j'ai présenté, le tableau, il s'appelle Bakélé. Bakélé, 5000 francs, un homme, une femme et 5000 francs, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et chacun a sa définition, sa réponse. Et je m'appelle Adjara Touedrago, je suis artiste, peintre et sculpteur burkinabé. Je suis venu faire un atelier avec des amis peintres maliens. Et là, je suis à Badiala pour l'atelier. Et ça, c'est l'une des œuvres que j'ai produites pendant l'atelier. Je m'appelle Ibrahima Konaté, communément appelé sous le nom de Boutchi. Le travail que nous avons organisé dans ces derniers moments, on était entre jeunes artistes. On a organisé un atelier pour faire montrer nos travaux au grand public. Et dans cet atelier, le travail que moi j'ai présenté, je crois que si vous regardez un peu derrière moi, vous allez voir les deux travaux que j'ai présentés. C'était les travaux réalisés lors de l'atelier. Et j'étais en train de travailler sur une série de petites voitures pour montrer un peu le parcours des chauffeurs et des petits-enfants depuis leur bas âge, comment ils se communiquent entre eux, comment ils travaillent ensemble. Et c'est ainsi que j'ai su dans ces derniers temps-ci, cette série, le conducteur et puis le couple du grain. Et l'autre conducteur qui veut dire tout simplement mon ami d'enfance. Lors de cet atelier, j'ai réalisé le deuxième. Et l'union pour aboutir à une paix durable en bas.